Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Tu vois, Alex, ça roule? Oui, ça roule. Dans le thème de l'émission. Ben, exact, on va parler NASCAR, Siri Pentis tantôt avec Jocelyn Fecteau et, sa femme, oui, Catherine. Exactement. Belle émission, soit dit en passant. Les entrevues sont déjà réalisées, puis c'est belle fun. Il fait beau. Beau égale golf. As-tu écouté un peu le Players Championship en fin de semaine? Certainement. Quel beau tournoi, Alex. Moi, c'est un de mes préférés sur le PGA, le Players. Tu l'as dit tantôt, c'est familial, c'est convivial, c'est un beau tournoi. Belle victoire de Webb Simpson qui a été dominant du début à la fin. Du début à la fin, mais il était temps que ça finisse, lui. Ouais. Parce qu'à la fin, il a joué conservateur, sa catégorie. Oui. Jouer Even, un moment donné, un petit bogey vers la fin. Ça a goûté à l'eau un petit peu. Voilà, Tiger qui a envoyé sa balle à l'eau au 17e. Ouais. Mais lui, là, il était moins 1 après 2. Ah non, écoute. Fini à moins 11. Jouer 62, 63, là. Écoute, 30 sur le premier 9 samedi. Ah, oh, non. Ceux qui se demandaient s'il était de retour. Exact. Puis, je pense, de la façon que j'ai cru comprendre, là, il va prendre les deux prochaines semaines off. Il va revenir après. Je pense que c'est le Memorial ou quelque chose comme ça, le trophée, pas le trophée, mais le tournoi de Jack Nicklaus. Ouais. Alors, je pense qu'il va revenir là pour après ça s'en aller en Europe pour le British. On est bien content de le voir. Exactement, et le US Open. Mais, il a de l'air plus en forme que sur les photos qu'on l'avait vues après son arrestation. définitivement, et Webb Simpson quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas ce qu'il dit. Il parle de course. J'aimerais mieux que tu parles. Il est déjà dans les courses, lui-là. Oui, c'est ça, exactement. Ça tombe bien, on en parle aujourd'hui. Oui, voilà, belle course, belle émission. Ouais. 30 minutes sur la série Pentis de NASCAR. Avec des passionnés, François. Oui, c'est ça qui arrive de déparler un petit peu quand on est déconcentré, ouais. Alex. Si les gens avaient une... Si Claude, on avait une caméra sur lui, on pourrait voir toutes les simagrées, mais on l'aime bien. Oui, belle émission avec Jocelyn Fecteau, pilote NASCAR Pentis Series. Et sa conjointe, sa femme, Catherine Almeida, qui est la propriétaire de la voiture et qui travaille dans l'ombre de son conjoint aussi durant les courses. Mais Catherine va nous parler un petit peu de l'envers du Taylor en deuxième partie. Extrêmement intéressant. Beaucoup de passion, beaucoup de cœur dans les entrevues. Ouais. Donc, on s'arrête 5 secondes. Duo. Au retour, Jocelyn Fecteau. Cette semaine à Sport Express, François, et que les gens de la télévision du Haut-Richelieu sont contents. Mais en même temps, nous, on l'aime bien aussi, fait qu'on est contents de le recevoir. Nous autres, on est contents parce que c'est notre chum. Eux autres sont contents parce que c'est leur chum et c'est des maniaques de NASCAR. Voilà. Alors, on parle de NASCAR Pentis cette semaine avec Jocelyn Fecteau. Salut. Salut, Joe. Comment ça va? Très bien. Oui? Très bien. Plus de neige. Non, c'est ça, exactement. On s'en va aux courses en fin de semaine. La saison commence, elle commence bientôt. Ouais. J'ai vu sur Facebook... Faut t'arriver à 100. Explique-moi ça d'abord. Vous avez un poids à respecter? T'étais comme à 2 livres. Pas un poids à respecter. J'ai 2 livres à mon poids d'hiver. Je suis habillé en noir. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Non, mais sans farce. 175 livres, c'est le poids auquel on est habitué de setuper la voiture. Fait que oui, pour me motiver, j'ai mis 177 livres sur Facebook. Fait que ça me motive. 2 livres, c'est pas si mal, pareil. Je suis déjà en bas de ça. Ah, bon. Joe, tu viens d'en parler, la saison commence ce week-end. Ça s'annonce comment, cette saison-là, pour toi? Est-ce qu'on a travaillé beaucoup la voiture cet hiver? Travailler la voiture, changer de moteur. On a réussi à mettre la main sur des moteurs d'une équipe d'avant-plan. Ça va être une grosse modification pour nous. Des ajustements qui sont proposés par la série à toutes les années. On est fin prête. La voiture est ajustée ce week-end. Je veux juste qu'on mette les gens dans le contexte. Quelqu'un qui ne connaît pas le circuit NASCAR Pentis, explique-nous un petit peu le circuit. Bien, le circuit, c'est... La division, c'est home track. Donc, si on regarde aux États-Unis, on a les grandes séries. Ouais. Et puis, la home track, t'es au Mexique, t'es en Europe, t'es au Canada. Il y a certaines séries aussi aux États-Unis. C'est des séries de développement. C'est comme des clubs-écoles, si on veut. Clubs-écoles. Par contre, au Canada, ça se trouve être la plus grande série de courses qu'on a ici au Canada. Je l'ai dit tantôt, là, ici, c'est des passionnés de NASCAR. Moi, je suis pas vraiment ça, en toute honnêteté. Là. Comme un gars comme Alex Labbé, qui est en Xfinity cette année, est-ce que c'est un gars qui a passé par votre division? Bien, Alex Labbé, c'est le champion 2017 de la série NASCAR Pentis. Okay. Alex, c'est un gars qui roule sa bosse depuis très longtemps en stock car au Québec. Et puis, comme tu as mentionné, bien, cette année, il fait quand même très belle figure, représente très bien le Québec là, en Xfinity. Parce qu'on va se le dire, le nom a changé. En fait, vous y allez toujours au gré des commanditaires. Même en NASCAR, ça a changé. C'est la Monster Energy, la Xfinity, tout ça. Vous autres, à l'époque, les gens vous connaissaient sur le circuit Canadian Tire, en fait. C'était les belles grosses années. Canadian Tire, NASCAR Canadian Tire. Puis exact. Ce week-end, on course au Canadian Tire Motorsport Park, mm-hmm. À Motorsport en Ontario. Puis là, c'est devenu depuis 3 ans.
Pinty's Series. Il y a quand même des gros noms là-dedans, pareil. Là, les Dumoulin, tu sais, Andrew Ranger là-dedans aussi. Andrew Ranger, Alex Tagliani, les frères Dumoulin, des gars comme Scott Steckley. De façon unofficielle, mais j'ai vu ça sur Twitter, Noah Gregson, qui est le gagnant de la course de camion aux États-Unis vendredi soir passé, devrait être des nôtres ce week-end. Dans le fond, qu'est-ce que ces conducteurs-là font? Ils viennent prendre du temps de piste pour la course de camion qui va avoir lieu là, à la fin août au même circuit. Wow. Des gars comme Alex Tagliani, Andrew Ranger, qu'on a vu là, un petit peu plus haut, si on veut, un peu partout, est-ce qu'ils viennent s'amuser puis ils retournent par la suite peut-être aux États-Unis ou c'est vraiment, là, ils se concentrent sur le Pinty Series? Non, je pense que c'est pas juste... Ces gars-là sont venus au monde pour gagner. Ouais. Moi, je le fais par passion, puis c'est devenu une passion comme plus professionnelle. Ouais. Mais un gars comme Alex Tagliani, Andrew Ranger, les gars gagnent leur vie avec ça. Ils viennent pas ici en tant que passagers. Puis exemple, Alex Tagliani, aussitôt qu'il y a une opportunité d'aller s'asseoir dans une autre voiture, il l'a fait en Asie l'année passée. Aussitôt qu'il a la chance, Alex, aussitôt que le téléphone sonne, je pense qu'il court, il court pour le volant. Là. Tu vas faire combien de courses cette saison à peu près, Jocelyn? Cette saison, il y a 4 circuits routiers. Il en a enlevé un. Il y avait habituellement la course qu'il y avait à Icar, à Mirabel. Ouais. Cette course-là a été, bon, je ne sais pas si c'est mis en pause ou bien non. Il n'y a pas eu d'entente entre la série et puis le promoteur là-bas. Donc, il y a 4, il y a 4 courses de circuit routier. La voiture qu'on a, la 77, c'est une course une voiture de circuit routier. Donc, on s'est engagé pour les courses de circuit routier. Donc, on se promène où, là, le 77, cet été? Motorsport, Canadian Tire Motorsport Park, au mois de juillet, le Grand Prix de Toronto. Wow. Après ça, on revient au Grand Prix de Trois-Rivières, qui est un événement fabuleux pour tous les amateurs ou non de course. C'est un beau week-end. Puis on termine au Canadian Tire Motorsport Park à Motorsport, justement avec les camions de la série américaine. Le week-end cette année, habituellement, c'est à la fête du travail. Ça va être la semaine avant. Motorsport, ça fait longtemps que ça existe. La même chose comme Tremblant. Là. C'est comme un peu un culte au Canada. Ouais. Parle-moi un peu de Trois-Rivières, comment les autres pilotes voient ça, parce que vous êtes dans cette série-là depuis pas très longtemps. En fait, je pense que Canadian Tire, bien, Pinty, ça fait pas très longtemps que vous courez à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, ça fait quand même longtemps, on va se rappeler, je pense, en 2007, là, la fameuse voiture Tide de Andrew qui avait au finish line, qui avait passé par-dessus Kerry Mix. Mais ça fait quand même longtemps que c'est là. Bien, une dizaine d'années, mais avant ça, c'était plus les en fait, formules. Les formules, ces choses-là. Ouais. Atlantique. Ouais. Comment c'est vu? Est-ce que c'est rendu une des plus grosses courses de l'année? C'est le show. Que ça se passe? C'est le show. Dans le fond, qu'est-ce que les promoteurs ont fait? Ils ont divisé deux week-ends. Tu as le premier week-end qui est la drift du Rallycross, qui est quand même très populaire. Mais ils ont fait deux week-ends totalement différents. Mais je te dirais que le dernier week-end, c'est vraiment le point culminant du Grand Prix de Trois-Rivières avec un paquet de courses de circuits routiers, dont justement la NASCAR Pinty, ce qu'on fait partie. Comment on se sent pour un Québécois de courser devant les tiens à Trois-Rivières sur un circuit mythique? On va se le dire, Trois-Rivières, là, la réputation est là. Puis, tu sais, on te suit sur les réseaux sociaux, on voit des vidéos. Vous êtes des stars là-bas, là. Ça signe des autographes, les photos. Ça, c'est le bout que j'ai un peu de misère, avec. Mais on se prête au jeu. C'est le fun parce qu'on est capable d'avoir nos partenaires, nos commanditaires. C'est la piste la plus proche, famille, amis. Réunir tout le monde ensemble. Ben, c'est un happening. Ouais. C'est un peu, je ne mettrais pas ça trop haut par rapport à la F1 à Montréal, mais c'est quand même un très bel événement. Puis oui, on est vraiment la grosse série du week-end. À cette heure, en frais de nervosité ou ben non, quoi que ce soit, je dirais un week-end de course, c'est tellement intense que tu as hâte que ça commence. Puis la deuxième chose que tu sais, c'est que c'est déjà fini. Ouais. Fait que c'est un peu comment que nos week-ends de course se passent. On reçoit ta femme en deuxième partie d'émission, Jocelyn. On va en parler justement un petit peu de la nervosité. Comment la femme d'un pilote se sent justement pendant une course? J'ai hâte d'entendre Catherine. Une chance, j'ai pas emmené ma mère en plus. Mais en même temps, on l'a dit, Trois-Rivières, puis on va revenir après ça à tes commentaires et tout ça. Je veux que tu les vendes un peu. Écoute, les gros noms ont passé là, en Formule Atlantique. Si on parle les Villeneuve, tu sais, de la majorité Ampringham, tu as eu des Tagliani, il y a eu... Des Andretti, tu as parlé aussi. Andretti qui a été là. L'affaire qui est quand même assez importante pour un gars comme moi, de participer, si je vais pouvoir dire à un moment donné, mais je suis très vieux, de dire que j'ai pris le départ, c'est la même piste que Jeffrey Earnhardt, que Jacques Villeneuve, il y a 2-3 ans, et Alex Tagliani, d'Endo Ranger. C'est quand même les grosses séries puis les gros noms se déplacent pour le Grand Prix de Trois-Rivières. Ouais.
Jocelyn, avant de parler de commanditaire, je dois te demander, c'est quoi la vitesse atteinte? Quand les gens vont se poser la question à la maison. Oui, ça va vite, mais tu peux atteindre une vitesse de combien? Là? Ça va jamais assez vite. Ça va jamais assez vite. Je pense que dans le qu'est-ce qu'on appelle le Andretti Straightaway, qui est le back straight, le long droit en arrière à Mosport, je pense que c'est pas loin de 300 km/h. Dans un NASCAR versus une Formule, c'est un autre feeling parce que j'aime dire qu'un NASCAR, c'est un gros tas de tuyaux avec pas de brake. C'est un peu le feeling qu'on a. Tu l'as dit, tu vas faire 4 courses cette année. Ouais. Par exemple, tu es en milieu de peloton. Tu sais que tu as les meneurs au classement derrière qui veulent te dépasser, mais tu es sur le même tour. Comment tu gères ça? Je me suis toujours posé la question parce que eux autres, je l'ai dit, c'est des matchs. Ils font ça dans la vie, eux aussi. Exactement, ils font ça dans la vie. Puis moi, je regarde les Claude qui trippent, puis à la fin de l'année, je pense qu'ils sont 10 pour la chase, puis je me dis, ça court avec tout le monde. Fait que quelqu'un qui n'est pas dans la chase peut en ramasser un. Toi, tu as une crevaison sans faire exprès, tu pars, tu ramasses Tagliani, c'est pas de ta faute. Mais comment tu gères ça? Écoute, comment tu gères ça? Je pense que dans peu importe, en course automobile, n'importe qui est responsable d'un dépassement. On a la chance d'avoir des éclaireurs, des spotters. À maint endroit, capable d'aider à gérer le trafic. On est une équipe d'une voiture, donc j'ai pas d'aide, j'ai pas de coéquipier ou quoi que ce soit. Il y a quand même des grosses équipes en NASCAR Pinty's. Par contre, je pourrais dire que je ne vais jamais mettre la voiture à risque ou bien non, un compétiteur à risque pour faire un move, risqué, pour endommager, peu importe. Là, ça coûte tellement cher que tu ne veux pas endommager la course de d'autres. Sauf qu'à un moment donné, je te dirais qu'il y en a auxquels c'est plus difficile de me dépasser. Tu le disais, ça coûte cher. Tu as des commanditaires qui te suivent, qui sont là. Qui t'aimerais remercier, en fait, avant qu'on reçoive ta conjointe? Bien, écoute, on a Team LTD. Pour ceux qui se demandent c'est quoi Team LTD, LTD, c'est pas, pas pour Limited, non? C'est Living the Dream. OK. La course, c'est un peu ça. C'était marqué en bas, ouais. François. Ah, ben oui. C'était marqué en bas, en plus. Mais tout ça pour dire, Scott Croxall, qui est un des propriétaires fondateurs de Team LTD, si les gens vont sur YouTube, peu importe, c'est un des multiples gagnants du Red Bull Crash Test, une compagnie d'Ontario. Fait qu'il embarque avec nous autres. C'est sûr qu'on a des gens locaux comme Mazout Propane Beauchemin, Enseigne Bourgoin, Dalissa, le Dorchester. Là, on a misé beaucoup sur du monde un peu plus local, Bière Farnham. Tu sais, c'est du monde auquel que... ouais, je me suis entêté dans les dernières années à vouloir faire shiner les entreprises du coin via la course automobile, qui est un sport très engageant. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Je regarde, il y a d'autres pilotes de la région auxquels ils essayent de se démarquer également. Et c'est comme pas facile, mais c'est ça. On est toujours ouvert à des bons partenariats locaux. On s'arrête. Au retour, on va parler un peu de l'envers de la médaille. Comment ça peut se passer une fin de semaine de course, mais une saison de course, quand on est la conjointe d'un pilote automobile? Parce qu'il ne faut pas oublier ça. On est pilote, mais il y a des enfants derrière ça, il y a des femmes, il y a des parents. Tu parlais de ta mère tantôt, tu sais, ton père, on le connaît bien, mais Michel, c'était un gars d'auto, c'était un gars de char. Il était directeur des ventes tellement longtemps chez Derry Toyota. Lui, il doit vivre, même à ça, il doit vivre ça différemment, mais des fois, il doit trouver que ça brasse un peu. Fait que je veux qu'on parle de l'aspect qui entoure le pilote automobile. Pas de problème. Alors, on s'arrête quelques secondes et au retour, on poursuit l'entrevue. La télévision du Haut-Richelieu, c'est pas juste une télévision locale. C'est une télévision axée sur tes passions. T'es un passionné de sport, tu joues, tu coaches. Sport Express, c'est ta référence ici, chez toi. Tu t'impliques dans ton quartier, t'es un passionné d'art, de culture, de politique. ÉricLatour.com, c'est la meilleure façon de rester branché dans ta communauté. Puis t'aimes ça jouer au bingo? Ben, le dimanche matin, 9h30, 4000 $ en prix t'attendent. La télévision du Haut-Richelieu, c'est ta télévision. Nous sommes de retour à Sport Express et on a amené madame... À tout seigneur, tout honneur. Exactement. Catherine Almeida, bonjour. Bonjour. Salut Catherine. Hey, d'abord, t'es propriétaire de l'écurie, toi? Bien, en fait, pour le terme dans l'association de NASCAR, je suis la propriétaire de la voiture 77. Okay. Ouais. Fait que tu te fais mener, dans le fond. Quasiment. Pas du tout. Tu dis, en tournant en blague, tu décides même pas qu'est-ce que... Non, je décide même pas qu'est-ce qu'on dit. Écoute, comment tu vis ça d'être la femme d'un pilote automobile?
Bien, j'ai plusieurs années aussi d'expérience derrière la cravate là, au niveau des courses. Je pense qu'il faut faire confiance. Il y a des gens qui travaillent au niveau des les flaggers, voyons, la santé, là, je veux dire, les ambulanciers, le rescue qui est sur la track. À Mané aussi, on se dit que c'est toujours mieux d'avoir un accident sur une track de course parce que les répondants sont immédiats. C'est vrai. Les gars sont bien strappés. Il y a un hands qu'on appelle pour tenir la tête et le cou. Ils sont bien équipés. La voiture est structurée. Il y a des tubes. C'est quand même sécuritaire. C'est énervant, c'est sûr. Surtout quand il y a une relance et que là, les gens... se battre pour ils sont tous dans le même paquet, partir, oui, c'est ça, les pelotons, là, ça, c'est assez énervant. Et j'ai eu plusieurs expériences aussi avec Jocelyn de le voir sur l'écran géant transversal à la piste, puis tous les gens qui s'en viennent, puis qu'on coupe l'image. Mais il faut faire confiance. Jocelyn, c'est un pilote qui se surpasse lui-même, compétitif, mais très respectueux aussi des autres. Puis il faut se dire aussi que dans chaque voiture, qu'on aime le pilote ou pas, ça reste des êtres humains qui ont une famille, des enfants, des femmes, des parents, comme vous avez dit. Fait que à partir de ce moment-là, c'est ça. Il faut surtout faire confiance aux gens qui travaillent aux pistes de course. Catherine, parle-nous de ton rôle, toi, dans l'équipe JF77. Tu n'es pas juste la femme du pilote et la propriétaire de l'auto. Je pense que tu travailles comme tous les autres. Puis parle-nous un petit peu de l'équipe qui travaille avec vous. On n'en a pas parlé tantôt. Bien, en fait, il faut se dessiner son propre rôle, dans le sens que j'ai appris que la place aux courses, c'est surtout de se retirer puis de laisser les gars travailler. On décide pas l'horaire, dans le sens que, tu sais, il peut arriver un accrochage, il peut avoir des modifications à faire sur la voiture. Fait que, tu sais, mettons qu'on planifie de dîner à 11 heures, ça se peut que ça arrive pas. Fait que, tu sais, il faut vraiment suivre le courant du week-end, puis il faut vraiment suivre le rythme, puis se laisser aller. Puis, tu sais, dans le fond, j'essaie de ne pas être dans les jambes le plus possible pour laisser les gars travailler. On travaille avec une équipe de 8 gars, si je me trompe pas. Puis, tu sais, avec, en plus, Jocelyn, puis, tu sais, souvent, les conjoints viennent, les enfants. Fait que, tu sais, on essaie de rendre ça le fun, mais en même temps, de ne pas être dans les jambes pour que les gars puissent performer. Je veux juste savoir, il est comment, Jocelyn, la journée d'une course? Tu sais, quand on parle peut-être une heure avant la course, il est aussi relax? Souvent, il se retire dans le trailer, sur sa chaise, pour ventiler. Il va se promener aussi d'écurie en écurie pour jaser avec les autres pilotes. Parce que des fois, il y a, tu sais, pas des stratégies, mais tu sais, c'est important aussi de savoir, tu sais, comme Andrew Ranger, lui, il gagne sa vie. On en a parlé tantôt. Tu sais, fait que c'est pas la même game. Puis, tu sais, c'est le respect. Quand on sort de piste, c'est la même chose. Souvent, c'est nos mécaniciens qui amènent la voiture au trailer. Fait que, tu sais, on marche avec les pilotes, puis on jase. Puis, comment ça a été? Fait que, tu sais, bel esprit de famille. Ouais, vraiment. Tu l'as dit, t'es en retrait dans la dernière heure. Moi, la question, c'est que, tu sais, souvent, bon, moi, je suis un père de famille aussi, puis des fois, mes enfants peuvent me regarder, puis dans le regard, ils vont voir tout de suite, oh, ça va pas, puis eux autres, ça les chique. Toi, par exemple, si ta femme, elle file pas un matin ou elle file pas à piste ou quelque chose, est-ce que t'es capable de discerner dans le regard de ton père, de ta femme, que, oh, eux autres sont pas à l'aise avec ce que je m'en vais faire, puis toi, ça pourrait te toucher? Donc, y a-tu un moment où tu dis, gars, moi, je vais m'en aller, je veux pas voir personne une heure ou une heure et demie, justement, avant la course, pour me faire ma propre idée sur ce qui s'en vient? Bien, je te dirais que dans n'importe quel sport, je pense que c'est sage de prendre un moment pour... Puis tout le monde fait ça à sa façon. Comme Catherine a mentionné, moi, je prends du temps, peut-être une heure, parce qu'en NASCAR, on est quand même assez exposé. Séance de signature d'autographe, des meetings à gauche puis à droite. On est quand même assez sollicité, mais j'essaie de me garder un moment précis auquel que je me retire. Puis j'aime dire aux gens, je fais des tours dans ma tête. Fait que si je revois qu'est-ce qui va se passer, qui part à côté de moi. Visualisation, pardon. Exactement. Bien, tu as besoin de faire ça. Puis je pense que ça appartient à tous et chacun de le faire. Là. Puis si on revient au niveau sécurité, tu l'as dit, là, on est loin des années 80, des années 70, ou même en Formule 1, des années 60. On essayait de calculer le nombre de morts. Cette année, on devrait avoir tant de courses, on devrait finir à tant de morts. Est-ce que, tu sais, souvent, moi, on a parlé de Gilles Villeneuve, 36 ans cette semaine. Je suis revenu avec un excellent documentaire sur Senna. On dirait que quand tu regardes en arrière, dans leur visage, quand c'est arrivé, on dirait quelques heures avant, on dirait qu'ils savaient, comme s'il y avait une prémonition. Il n'était jamais vraiment arrivé de gros... Je sais pas si t'es déjà arrivé à un gros accident, mais étais-tu déjà arrivé d'arriver à quelque part et de dire « Tabarouette que je la file pas en fin de semaine » puis ça t'a causé des problèmes? Ouais, moi, j'ai juste dit quelque chose parce que,
tu sais, il y a des impacts en course qu'on fait comme « Oh my God, il s'en sortira jamais vivant. » Le gars, il sort de là comme si de rien n'était. Il prend sa tête de go, puis tu sais, il n'y a rien là. Puis il y a des affaires qui ont l'air mineures où la personne, il laisse sa vie. Tu sais, c'est difficile à gager de juste voir l'impact, de se faire une idée à ça. Là. Mais tu sais, je vous laisse retourner à votre question. Non, mais c'est ça, dans le fond, tu sais, t'es-tu arrivé d'arriver à une piste, puis je sais pas, il y a eu de la fin de semaine, il y a eu des sorties de route, il y a eu plein. T'as pas un bon feeling. T'as pas un bon feeling, c'était tu arrives pas. Je te dirais non, puis la journée, ça va m'arriver. Ben, je viendrai ici pour vous dire qu'on arrête la course. Chose du bois pour ou qu'est-ce que quelqu'un d'autre s'assiera dans la voiture. La journée que tu commences à craindre, je pense que c'est le début de la fin. Est-ce qu'il y a des fins de semaine auxquelles on pensait qu'on n'avait pas le bon réglage, le bon setup, mettons, pour la fin de semaine? Oui, c'est arrivé. Mais tu sais, tu gagnes en équipe, tu perds en équipe, puis j'ai l'intention d'aller aux courses en équipe pendant longtemps. Exact. Puis tu sais, l'opportunité aussi qu'on a, c'est que Jocelyn ne fait pas ça professionnellement. C'est vraiment une passion. Fait que tu sais, quand la voiture lâche en pratique ou en qualification, tu sais, on pousse pour faire la course parce que tu sais, on a quand même descendu 8 gars. Puis c'est quand même une implication, les commanditaires, la visibilité et tout. Mais tu sais, on peut sortir et pas pousser la machine pour causer des dommages majeurs, pour pas que, tu sais, il arrive un accident ou, tu sais, de dire, ah, là, on l'a trop poussé, on est allé trop loin, il est arrivé une merde. Fait que, tu sais, c'est ça qui est agréable avec Jocelyn, tu sais, c'est qu'il y a ce côté passionnel-là, mais en même temps compétitif qui fait qu'il se surpasse lui-même à chaque fois puis il performe. Moi, j'ai toujours en tête la passion quand même du 300 km/h aussi. Oui, mais c'est ça, ça va vite. Parlons un peu des voitures, la technologie en 2018. D'abord, tu repars avec une partie du décor. Une partie du décor, la saison qui commence. En fait, notre décor est gracieuseté de Jocelyn Fecteau. C'est toi, là, tu repars avec les pneus. Comment c'est la technologie? Parce qu'on dirait que de plus en plus, tu sais, je fais des farces, là, je l'écoute le NASCAR à la télé, puis des fois, c'est même pas un accrochage, ni rien. Pouf! Problème de boîte de vitesse. Pouf! Problème électrique. Ça arrive-tu souvent? Est-ce que la technologie est rendue que ça joue un rôle dans ta propre course? Bien, je dirais, en NASCAR Pinty's, la technologie n'est pas encore... Ça reste une série, malgré qu'on a dit que c'était dispendieux tantôt, c'est une série qui est quand même abordable. Sauf que les bris mécaniques, je dirais que tout est dans la préparation. On est dans un auto dans le garage, ça vaut tout le temps bien. Quand tu arrives en course, ben il y a des pièces neuves, des fois, qui sont défaillantes ou bien non, peu importe. Ça fait partie de la gestion du risque d'aller aux courses. Puis c'est des voitures qui sont tellement montées limite qu'on exploite au maximum chacun des composants de la voiture. Par contre, il y a des choses qu'on sait que à ne pas faire. L'expérience, on va faire notre cinquième année en NASCAR cette année. On l'apprend à la dure. Les secrets sont très bien gardés dans chacune des équipes. C'est pour ça que Catherine disait que j'allais faire un peu de repérage dans les autres équipes. Des fois, en jasant de même, je réussis à savoir, vu que je ne suis pas vu comme une menace, ben j'ai les oreilles grandes ouvertes pour essayer d'aller soutirer l'information. Mais on a plus d'acolytes que d'ennemis. Ben, c'est ça. Mais tu sais, je te dirais que on est rendu où cette année, on peut dire qu'on maîtrise vraiment la voiture, mais les bris, c'est tout le temps un facteur monétaire et de pas de découragement, mais c'est un facteur qu'on aimerait ça gérer ça, là, mais c'est ça. Puis, c'est ça. Des fois, on va prendre le départ peut-être à pas loin d'une trentaine de voitures sur la piste. Il y a 29 autres cerveaux que je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire en même temps sur la piste. Fait que, tu sais, des fois, une course, ça peut. Ma visualisation est peut-être très bonne, mais peut-être qu'il n'est pas en concordance avec les autres. Avant ta question, c'est vrai, tu as raison, tu as 29 autres personnes qui... Il y en a peut-être un qui est malade, l'autre qui joue pour un commanditaire. Il a peut-être entendu dire que ce n'est pas des résultats, il va perdre un commanditaire. Fait que chacun a son histoire derrière le volant à chaque course. Oui, exactement. Puis écoute, on vient à bout avec, mettons, le nombre d'années d'expérience que j'ai dans cette série-là. Chez lesquels auxquels qu'on peut danser dans le coin, porte à porte, puis chez lequel auquel il faut que j'attende parce que ça risque de ne pas arriver. Ouais. Fait que je pense que dans n'importe quelle série, on est capable de mettre des noms sur les agissements. C'est pareil en NASCAR Pinty's. Ouais. Catherine, il reste une minute. On sait que c'est un passionné, c'est son sport, il vit. Bien, tu vis pas professionnellement ton sport, mais tu vis pour ton sport, on s'entend. Oui. Est-ce que tu réussis, toi, en tant que femme, en tant qu'épouse, de développer la même passion comme si tu étais dans la voiture avec lui? Y a-tu des week-ends que je veux dire, moi, ça me tente pas d'y aller en fin de semaine, ou pour toi, tu as vraiment développé la passion également? Non, je pense que c'est important de supporter, en fait, mon mari. Ouais. Je pense que c'est important d'être là parce que, des fois, lui, il n'a pas la tête à faire quelque chose d'autre, puis que moi, je peux aller combler quelque chose d'autre. Parce que c'est un travail d'équipe, Joe, c'est le cachot. Mais
Non, oui, j'ai la passion. Oui, j'aime ça les week-ends. C'est en famille, comme en fin de semaine, mon sport. C'est tellement agréable, le camping. Tu sais, c'est sûr qu'on prend nos douches dans une affaire à bric-à-brac, là, mais tu sais, rendu là, on s'en fout, puis tu sais, on tripe. Puis l'important, j'ai toujours dit, c'est de partir en fin de semaine, tout le monde ensemble, puis de revenir tout le monde ensemble. Puis pour moi, c'est tout ce qui compte. Le reste, tu sais, les bumpers, c'est une affaire. Des pneus, c'est une autre affaire. Tant que les gens, ils sont... Puis tu sais, on parle de Jocelyn qui est pilote, mais tu sais, il y a le pit lane aussi. Oui, il y a 8 gars qui travaillent dans le pit lane, là, que tu sais, une autre voiture arrive. C'est aussi dangereux pour mes gars qui sont dans le pit lane que pour Jocelyn. Mais dangereux, tu sais, je veux pas dramatiser, mais tu sais, il y a un risque aussi. C'est des travailleurs aussi. Fait que si tu piles sur le pied de quelqu'un qui pourra pas travailler pendant 3 ou 4 mois, c'est pas mieux non. Puis avant tout, c'est des chums aussi. C'est ça, c'est tous des chums, Ben, c'est beau de vous voir, en tout cas. Continuez votre belle relation. Belle saison, on va te suivre, c'est sûr et certain. Merci de nous avoir reçus. Puis encore une fois, merci pour le décor, parce que c'est très gentil. En fait, on a entreposage d'hiver, mais... On va retrouver nos pneus et tout le kit à l'automne. À l'automne. Merci, belle saison. Merci. François, avant de parler de NASCAR, parle-nous un peu de football scolaire. Oui, salutations William Julien qui nous a envoyé les nouvelles. Les matchs préparatoires, victoire des Titans 20-12 et des Cerbères 30-0 le week-end dernier. Wow. Et il y a la Jamboree de printemps ce vendredi, Alex, au stade Alphonse Desjardins. C'est les cadets à 13h, les juvéniles à 19h30. Les Benjamins vont jouer un match préparatoire également face à Marcel Landry. C'est à 10h également au stade Alphonse Desjardins. Voilà. Samedi. C'est samedi, samedi. Et toi, on n'a pas parlé de NASCAR, donc on va en parler en fin d'émission. Bien, c'est ça, on va en parler. La série Monster Energy de NASCAR, donc c'était le Casey Masterpiece 400. On ne vient toujours pas de leur nom. 12e épreuve de la saison 2018 de la série Monster Energy. Ça a lieu, ça, samedi dernier, sur l'Oval de Kansas City. Oui, tu l'as regardé. Alors, grâce à un dépassement à la toute fin de l'avant-dernier tour. Kevin Harvick a remporté une 5e course cette saison. Martin Truex Jr. a dû se contenter, malheureusement pour lui, de la 2e place. Joey Logano a terminé 3e. Kyle Larson et Denny Hamlin ont complété le top 5. Ryan Blaney, lui, est bien connu dans sa famille, et Kyle Larson ont remporté les 2 premières étapes. Classement des pilotes après 12 courses, ça t'intéresse? Ouais, ben, j'aime ça. Moi, quand tu parles de NASCAR, je vois Louis, notre caméraman, qui s'endort. Ouais, exactement. Donc, Kyle Busch est premier, Joey Logano est 2e, Kevin Harvick 3e, Brad Keselowski 4e et Kurt Busch est 5e. Le prochain, écoute, là, il m'expliquait pas tantôt hors d'onde, j'ai rien compris. Mais à 18h, c'est le Monster Energy Open et à 20h, c'est le Monster Energy NASCAR All-Star Race à Charlotte, en Caroline. Voilà. Merci François. Merci Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Bye.